Bientôt Macron, à moi aussi. Bien sûr. Voilà, bien sûr, parce qu'on aime la démocratie. On aime la France. Ouais. Voilà. Et on n'a pas envie d'avoir une chape de plomb hein, de l'extrême droite qui nous divise et qui nous brutalise. C'est ça. Bon. Moi, j'aimerais bien Macron. Ben, moi aussi. Bah, président, vous savez ce qu'il faut faire. Ça, bon. Il faut mobiliser. Même s'il n'était pas beau gosse, voilà. Il a voté pour lui. Oui, bien sûr. Bonjour, madame. Moi, je suis ravi de vous voir. Ça va bien ? Ça va. Et vous regrettez peut-être votre ancien maire. Oui. Ça fait très plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir ? Qu'un ancien maire socialiste soutienne Macron. Pourquoi ? Parce qu'il vient de la gauche. Il est de gauche, Emmanuel Macron ? Oui. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai plus de responsabilité. Et en même temps, quand il s'agit de démocratie, quand il s'agit de l'âme de la France, je ne peux pas rester indifférent. Et je veux vraiment être actif pour défendre mon pays. Et la défense de mon pays, ça passe par l'élection de Macron. On ne veut pas l'extrême droite. Hein. Non, pas du tout. Bon. Surtout pas. À bientôt. Non, bien, je viens de croiser M. Delanoë, l'ancien maire de Paris, qui vient de nous donner un papier pour Emmanuel Macron, nous tous. Voilà. Bah écoutez, je préfère qu'il prenne position pour Macron que pour Marine Le Pen, donc ça ne me dérange pas. Je pense qu'il a tout à fait raison. Je pense que si Mme Le Pen passe un certain cap, je pense qu'on aura de sérieux soucis à se faire. Je ne dis pas que si c'est M. Macron qui passe, il n'y en aura pas, mais je pense que ce sera moins pire. Beaucoup moins pire. Il y a plein de gens qui m'ont répondu gentiment, ça me fait plaisir, c'est gratifiant. Alors, super chocolatier. Oh là là, et je ne sais pas comment je Il y a peu de voix qui parlent vraiment à l'électorat de gauche, enfin aux Français qui se reconnaissent dans cette histoire-là, dans ces valeurs-là, et Bertrand Delanoë en fait partie. C'est une grande voix de la gauche. Bon courage à vous, bonne route. Je ne voterai pas Le Pen. Je n'aime pas Le Pen. Mais je ne voterai pas Macron. Et que Claude nous quittait pour aller faire ses courses. Mais qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de Madame Le Pen et qui en même temps n'arrivent pas à voter Macron, je le regrette beaucoup. J'ai même envie de les convaincre qu'ils ont tort. Parce que pour défendre leurs idées, comment faire si on n'est pas dans un climat démocratique? Y compris pour défendre leurs idées quand elles ne sont pas favorables à Macron. Bon, c'est pas... quand il y aura Madame Le Pen, ils ne pourront pas défendre leurs idées. Mais je ne stigmatise personne, je ne culpabilise personne. J'essaye de m'adresser à la raison, à l'intelligence et aux convictions des citoyens.